20 décembre dernier, nous venons d'essayer un peu effectivement de donner notre position à nous, notre point de vue par rapport à ces élections que nous qualifions de chaotiques. Nous avions observé de près effectivement ces élections. On a déployé tous les militaires à travers différents centres, dont la ville de Goma. Et les constats qui sont les nôtres, c'est regrettable. Nous avions enregistré plusieurs irrégularités. Tenez, nous avions à Goma remarqué que non seulement les élections ont été prolongées jusqu'à plus de 3 jours en violation de la loi. Nous avions aussi remarqué qu'il y a certains, effectivement, certaines personnes qui ont voté plus de 3 fois et la CENI n'a rien fait. Autre chose, c'est qu'il y en a qui ne se sont pas retrouvés sur les listes électorales affichées par la CENI. Loin de là, les machines devent utiliser la centrale électorale. Certaines-unes sont tombées en panne et les techniciens ne sont pas venus promptement réparer ces machines. Alors, on remarque de manière globale que ces élections ont été très chaotiques et nous, on s'est dit, sans pour autant être lié à aucune tendance politique, nous demandons à la Cour constitutionnelle si elle estime que les irrégularités, les désordres et effectivement le fraude qui ont été enregistrés sont gravissimes et portent atteinte à l'intégrité de ces élections. Nous demandons qu'elle puisse être clairement et simplement annulée pour que nous puissions organiser de très belles élections. Évidemment, ça va nous demander trop de moyens, mais on ne peut pas sacrifier tout un pays parce qu'effectivement, on a peur d'organiser de très bonnes élections. Aussi, à travers ce point de presse, nous demandons à tous les acteurs, que ce soit de la majorité, tout comme de l'opposition, à pouvoir privilégier la voie pacifique à chaque revendication qu'une partie sera en train de mener. Nous demandons aussi que Denis Kadima, le président de la centrale électorale, soit interpellé et au besoin arrêté parce qu'il nous a organisé les élections les plus chaotiques que ce pays n'a jamais connues. Et ces élections risquent effectivement d'engouffrer le pays dans le chaos. Déjà, c'est un naufrage électoral et on ne peut pas quand même permettre à ce que Denis Kadima continue à blaguer avec le peuple congolais. Aussi, nous demandons à travers cette occasion à Kinshasa de pouvoir effectivement tout mettre en œuvre pour que non seulement les uns les autres qui vont revendiquer à travers plusieurs actions citoyennes soient encadrés. Alors nous sommes très optimistes que c'est possible que l'on puisse nous organiser de très bonnes élections parce que celles que nous venons d'assister ce 20 décembre, c'était les élections les plus chaotiques que ce pays n'a jamais connues. Il y a déjà qui ont eu des machines chez eux à domicile, c'est vraiment inconcevable et nous avions des éléments. Il y a d'autres personnes qui ont voté plus de 3 fois et la CENI était juste là en train d'observer. Des témoins, certains candidats ont reçu plus de 2000 témoins, alors qu'il y en a qui ont eu 30 et 20. Donc pour nous, de manière globale, c'est dire que ces élections ont été chaotiques et ce qu'il faut faire, c'est de faire en sorte qu'effectivement, on puisse carrément et simplement les annuler parce qu'on ne peut pas accepter que effectivement nous puissions engouffrer le pays justement parce que certains estiment qu'effectivement ils sont mieux placés au détriment de tout. Ce qui est aussi sûr, c'est que nous précisons ici que notre démarche n'est pas liée à une tendance politique. Nous n'appuyons nullement pas l'opposition, encore moins effectivement la majorité présidentielle. Nous sommes l'église au milieu du village, comme la Cinco, comme l'SCC et comme d'autres confessions religieuses. Le vœu de la Lucha, c'est de voir effectivement la centrale électorale essayer de faire des choses qui reflètent effectivement la volonté populaire et ne pas effectivement contourner la volonté du peuple en nous proclamant des candidats qui sont légitimes parce que ce sont autant de problèmes pareils qui sont en train d'assombrir le pays. Nous avions assisté en 2018 à des élections chaotiques où des dirigeants illégitimes ont été proclamés. Les conséquences, nous les vivons aujourd'hui. Nous estimons à ce stade qu'il est possible effectivement de se ressaisir. Évidemment, ça va nous demander de moyens et la RDC ne manque pas de moyens. Nous sommes un pays très riche, nous avons beaucoup de ressources. C'est possible qu'on puisse nous organiser de très bonnes élections. Entre-temps, nous demandons aussi que la justice, la Cour constitutionnelle et même d'autres juridictions
élections se ressaisissent de ses compatriotes qui ont triqué ces élections. Il y a des candidats qui ont eu des machines à la maison. C'est inconcevable. Il y a une dame qui a été effectivement dénudée à Lubumbashi par des partisans du régime en place. Demandons que justice soit faite à l'égard de cette femme. Nous demandons aussi que ces élections soient effectivement annulées parce qu'effectivement, nous risquons d'assister à l'hécatombe d'ici là. Une fois, les candidats qui seront proclamés ne refléteront pas la vérité de Dieu. Après le 20 décembre, il y a certains candidats présidents qui ont fait des déclarations. Il y a également la population qui se plaint et continue à se plaindre. Mais Denis Kadima et la CENI semblent boudés. Comment vous trouvez aussi cette situation? Alors, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, nous avions mis en cause même l'institution de la composition du bureau de la CENI. Ça s'était biaisé depuis le départ. Denis Kadima lui-même, effectivement, à son élection, était chaotique et biaisé parce qu'il nous a été imposé par le régime en place. La même cour constitutionnelle aujourd'hui, elle a été instituée de manière effectivement, biaisée, et les résultats nous en vivons. Est-ce que ce qu'il est en train de déclarer là, ça nous arrange? Absolument pas, parce que nous connaissons pour qui il joue. Denis Kadima, effectivement, donner l'impression d'être à mesure de nous organiser de très bonnes élections, mais c'est lui-même qui vient de les organiser durant 4 jours. Nulle part au monde, les élections se sont tenues durant 4 jours. La loi électorale exige que les élections se tiennent durant un seul jour, de 6h à 17h, mais Denis Kadima nous a organisé ces élections depuis le jeudi, le vendredi, le samedi et même le dimanche à Butembo. Il y a des gens qui ont voté et même ailleurs dans les Kassai. Comment peut-on effectivement lui laisser blaguer avec le peuple jusqu'à ce niveau? Déjà là, cette façon de prolonger même la durée de la tenue de ce scrutin laisse présager effectivement où il y a déjà des germes et des fraudes qui se font sentir. Évidemment, nous déplorons le fait qu'aussi les opposants n'ont pas été cohérents. Certains, ils ont décliné effectivement participer à ces élections, mais à la dernière minute, nous les avions vus accepter effectivement accompagner ce processus. Ça s'appelle incohérence, ça s'appelle manque de constance. Nous avions vu aussi d'autres opposants interdire même leurs candidats à la députation nationale et provinciale à pouvoir participer à ces élections, mais eux, ils ont quand même participé. Bref, nous, on reste non partisans, on reste en tout cas apolitiques, mais quand même en tant que des citoyens, nous essayons un peu de mettre nos objections et notre lecture par rapport à la façon dont la République se gère, parce que c'est la vie de toute la nation qui en dépend. Mais Monsieur Moïse, il y a des tendances qui sont en train de circuler sur la toile et la population reste dans l'embarras total par rapport aux résultats des élections de ce 20 décembre. Comment vous êtes en train aussi de juger ces tendances? En philosophie, on dit dès lors que les prémices sont fausses, la conclusion le sera nécessairement. Nous, on estime que déjà les prémices ont été biaisées et on ne s'attend pas à quelque chose d'autre que ça. Par rapport aux tendances qui sont d'être évoquées par Denis Kadima et toute son équipe, nous, on donne peu d'attention à ça. On est moins intéressé parce que nous vous disons ici que tout a été biaisé. Effectivement, il ne peut que faire ça pour essayer un peu d'influencer effectivement les citoyens ordinaires ou d'une manière ou d'une autre les manipuler. Mais en ce qui nous concerne, nous, on estime que déjà, dès le départ, tout a été biaisé et les résultats ne vont que refléter cela. Voilà même pourquoi nous essayons de tirer la sonnette d'alarme avant que l'hécatombe n'arrive. Parce que si on proclame déjà le 31 décembre des candidats qui sont illégitimes, des candidats qui n'ont pas été élus par le peuple congolais, à travers même ces élections qui sont chaotiques, je vous dis ici, ces pays risquent effectivement de brûler. Ces pays risquent de connaître une situation qui sera ingérable. Mais on ne prophétise pas le malheur. Notre souci à nous, c'est que nous puissions effectivement continuer à vivre. Parce qu'après les élections, la vie va continuer. Mais on ne peut pas quand même accepter qu'on sacrifie toute la République parce qu'il y en a qui veulent effectivement être proclamés de manière un peu, drôle.
Pendant ce temps, il y a déjà le Congolais de la diaspora qui projette déjà des manifestations en janvier ici. Et par rapport aux résultats, bien évidemment, qui sont en train d'être publiés, ne pensez-vous pas que cela puisse avoir des répercussions directes sur les Congolais qui sont au pays? Nous sommes dans un état de droit et la liberté de manifestation, la liberté d'expression est garantie. Nous sommes convaincus que ceux qui vont vouloir manifester devraient respecter effectivement les prescrits de la loi et faire en sorte que leurs manifestations se tiennent dans la non-violence et dans la critique. J'ai aussi appris que même les opposants, certains opposants, projettent une manifestation pour ce mercredi pour protester contre ce qu'ils appellent simulacre électoral ou du moins parodie d'élection. Ils sont libres effectivement de faire tout ce qu'ils ont fait et nous précisons que nous ne sommes pas concernés par la manifestation du mercredi. La Lucha ne prendra pas part à cette manifestation, elle laisse l'opposition faire effectivement sa part et nous en tant que société civile, nous ferons notre part les moments opportuns. Mais quant à ce qui concerne effectivement tout ça, tout ce qui va se passer au niveau de la diaspora, le vœu qui est le nôtre, c'est ce que ces compatriotes essaient fait d'effectuer ces manifestations dans la non-violence. Est-ce qu'ils vont vouloir privilégier la violence? Nous appelons les services de l'ordre à pouvoir effectivement essayer de les maîtriser. Très bonne chose. Voici les préalables pour que nous puissions avoir de très bonnes élections. Déjà, la centrale électorale, sa composition sera revue parce que, effectivement, on doit commencer par le commencement. Denis Kadima lui-même, il est là de manière un peu irrégulière. Nous souhaitons que nous ayons un nouveau bureau. La Cour constitutionnelle aussi doit être récomposée, ça veut dire qu'on va procéder par sa récomposition. Après ça, la CENI, le peuple congolais, même le gouvernement, doivent effectivement mobiliser tous les fonds possibles. Et nous avions des partenaires au niveau national, tout comme à l'international, qui vont permettre à ce que nous puissions avoir beaucoup de fonds. Et comme ça, on peut envisager effectivement la réorganisation des élections. En attendant, pour la période transitoire, parce que ce qui est sûr, c'est que déjà là, on est au-delà du délai constitutionnel. Nous proposons qu'il puisse y avoir une transition, mais laquelle transition sera dirigée par des acteurs indépendants. Très pratiquement, par exemple, la présidence, qu'elle soit gérée par effectivement une personnalité indépendante, non pas le président Tshisekedi, ou si on va maintenir le président Tshisekedi, que la primature soit gérée par un acteur indépendant. Le vœu qui est le nôtre, c'est de voir une transition effectivement qui va nous permettre d'avoir de très bonnes élections. Ça se passe partout au monde, c'est possible que nous puissions projeter une transition de 2 mois ou de 3 mois à l'issue de laquelle nous allons organiser de très bonnes élections. Mais si le régime en place, conjointement avec la CENI, procède par un forcing, je vous dis ici, nous risquons d'assister à quelque chose qui sera très compliqué et peut-être la République en paiera le lourd prix. Voilà pourquoi de manière anticipative, nous disons qu'il faut que l'on organise de très bonnes élections si et seulement si la Cour constitutionnelle estime que les irrégularités, les désordres et les perturbations portent atteinte effectivement à l'intégrité de ces élections. Notre appel à l'égard de toute la population de Goma et de tous les peuples congolais, c'est dire que soyons mobilisés, restons vigilants. Une fois la centrale électorale essaie un peu de proclamer des candidats effectivement illégitimes, des candidats qui n'ont pas été votés, nous n'écartons pas effectivement l'option de pouvoir mobiliser les peuples congolais du nord aussi, de l'est à l'ouest, pour que nous puissions avoir de très bonnes élections. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, les élections sont un moyen très crucial à travers lequel on peut procéder, on peut effectivement en arriver au changement d'un pays.
Mais dès lors que c'est biaisé, c'est compliqué. Donc nous, notre appel, c'est une forte mobilisation à l'égard du peuple congolais. Et une demande pour avoir organisé délibérément un processus, ces élections avec deux parties prenantes. Nous exigeons également qu'ils justifient les moyens qui lui ont été donnés lors des organisations des élections. Et enfin, nous demandons aux Congolais et à tous les politiciens d'exercer leur, en fait, de demander aux politiciens de revendiquer leurs droits dans la non-violence pour ne pas causer des troubles qui pourront ainsi être au désavantage de la République. Si la lucha ne trouve pas gain de cause. La lucha, c'est le peuple. Et nous, on estime que dans toute démocratie, il y a toujours le respect de la voix du peuple. C'est pourquoi nous avons toute confiance que notre voix sera attendue. Merci.